Comme le samedi 12 février, ça tombe tellement vite. La température est de 1 degré et là on va partir au bout du lac de Croiselet pour faire des petites vues bien sympathiques. Allez, bonne fraîcheur matinale. Le soleil est là, c'est tout ce qui compte, il n'y a pas de vent. On est parti pour une belle journée. Voilà, on peut toujours bien se camoufler. Ouais, c'est rare de voir des animaux morts. La pauvre. Ouais, c'est très rare de voir des animaux morts. Vivement que la nature reprenne la couleur de la verdure. On sait qu'on est à Condes dans le Jura quand on entend les chèvres de l'Évadé Belle. Les noisetiers, t'as vu? Alors l'eau est plus trouble qu'à bout blanc la semaine dernière. Pour les images sous-marines, ça ne va pas être possible pour le moment. Ouais, il y a beaucoup de bois qui flotte en cette saison. Allez, on va profiter pour filmer des cormorans. Tiens, d'ailleurs, il y en a qui s'envolent. Ah oui, il y a une mouette et il y a trois cormorans. 4 cormorans. Ah non, il y a même un cygne derrière. Hop, il décolle. Hop, le ciel s'est légèrement voilé. On arrive à l'entrée sauvage. Je vais faire une photo, vas-y. Là, on fait attention, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Le lac, il fluctue tout le temps ici. Hein, donc. Là, on slalome pour garder un petit peu de hauteur d'eau. On va essayer de faire le tour de cette petite île sympathique. Oh, c'est sympa là. Si on peut. Pour le moment, c'est bon. On voit bien les algues. Bon, on voit toujours pas de poissons, c'est normal en cette saison. C'est super joli ici parce qu'il y a plein de petits îlots en fait. Ouais, on voit les petits oiseaux dans les arbres. Regarde s'ils sont bien là. Ils sont sur la petite île. Alors on est bien là. Ah, il y a un oiseau là-bas, regarde, perché. C'est une aigrette sur les ruines. Ça va juste passer là. On devrait passer sans gratter. Oui, il y a une aigrette. Allez, on va essayer de récupérer le ballon. Là, on va arriver sur les ruines. L'eau est trouble, je ne vais pas pouvoir envoyer la GoPro sous l'eau. C'est le courant.
Ouais, y a un bon courant ici qui rentre, hein, t'as vu? Souvent ici on voit passer de gros poissons, mais là j'ai des doutes, hein. Les poissons sont plus au fond du lac. Tu vois rien toi, Van? On peut faire le tour, on a le temps, hein, là. On va faire du repérage du coin. On visite. Ouais, là, on navigue sur 20 cm d'eau, là. Regardez ça un peu. On visite les petites criques. Il y a encore un ballon là-bas qu'on va récupérer. Ça fait le deuxième. Ah, j'adore ce coin. On est en mode visite toujours. Alors ce matin, on ne pourra pas récupérer tous les déchets, c'est impossible. On va essayer de vous montrer les ruines plus loin. On va récupérer le ballon qui s'en va avec le vent. Et il y a une bouteille encore. Là-bas, il y a une bouteille. Allez, on va récupérer maintenant le ballon. Tiens, donne-moi là. Il a l'air d'être bien gonflé en plus. Non, il n'est pas bien gonflé justement. Non. Non. Vous voyez là, on a les murs, les anciennes ruines. Dessous. Juste avant qu'elles partent. Elles sont toujours majestueuses, ces oiseaux. Et là, en mode bronzage et repérage. Comme quoi, les arbres, ils poussent sur tout ce qu'ils peuvent trouver. Hein. Ah ouais. C'est beau, là. Hein. J'adore ces bois. On voit que le niveau a baissé parce qu'il y a beaucoup de souches qui effleurent la surface, qui dépassent de la surface. Un endroit super joli. Là, c'est une décharge de plastique. Faudrait quand même que les gens fassent quelque chose ici, parce que nous on veut bien ramasser quelques trucs, mais là c'est un camion qu'il faut. Ben, je sais pas moi. C'est quand même joli le coin là. On voit le mur là-dessous. J'espère qu'on pourra passer dessus, oui. Ah oui, il y a assez d'eau. On voit toujours pas de poisson. Hein. Allez, il y a des oiseaux qui viennent de se poser là-bas. On va essayer de les avoir. Voilà. Ah, le maillot au virage. Hein. Pas facile à suivre la cocotte. Ici.
Alors, on entend une cascade, on va essayer d'aller la filmer. Descendre la montagne. Ouais, c'est ça qu'on entend. Oui, ça dans même ravine est pas mal. Hein. Oh, c'est joli. Voilà, on sait que la route passe à l'aplomb du lac. Quand on voit ceci. Oh, il y a vraiment des salopards, hein, je te jure. Ah ouais, faut que j'y filme ça, ce que c'est. Si je peux avoir des trucs là-dedans. Allez, petite pause casse-croûte. Allez, on quitte le lieu de pique-nique et on reprend direction le retour. Ouais. En l'heure, ouais. Vous voyez là, l'eau est trouble, donc il n'y aura pas de vue sous-marine. On voit rien sous l'eau. Là, tu as vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Alors, quand la... quand ta chef de bord change de direction, elle a vu quelque chose. Alors là, quand le lac de Coislay nous tend les bras avec un leurre. Attends, on va passer par l'autre côté. Ah ouais. Et bon, là, on a trouvé le leurre de la journée. Récupération d'un leurre en direct. Valérie a trouvé le leurre du jour. On va essayer de le choper. Ah, il ne veut pas venir. Il va couler, non? Tu veux que j'aille le chercher sur la pierre? Yes! Le leurre du jour! Bravo, moi je dis bravo les gars. Fais voir, comme il est beau. Ah ouais, tu l'avais, t'en avais pas des comme ça encore? Si, j'en ai un, mais. Nickel! Se prépare à la floraison bientôt. Alors là, regardez un envol de canards. C'est loin, hein. Je suis désolé, j'ai pas la caméra en main. Et toute cette mousse. Oh ouais, c'est vraiment magnifique hein, là. Tout cet espace de mousse. Ah, on aperçoit Conde au fond. Là c'est joli ces petites herbes au bord. Le ciel s'est voilé maintenant et on commence à ressentir vraiment la fraîcheur dans les mains. On vous montre ce petit endroit aussi bien sympathique. Ouais, c'est une sympathique petite crique. Hein. Ah oui, on voit la glace, exactement. On voit que c'est gelé au bord. Ah, on voit bien le fond là. Tiens, on voit la glace là-bas, bon, regarde ce qui est blanc. Vivement quand on voit des poissons, hein, pour donner un peu de vie dans les vidéos. Vous voyez ce qui est blanc là-bas, c'est de la glace. Là-bas. Il y a des bois. Je sais pas si ça va passer. Hein, là. Bon. Tant pis. Tu vois ce qui passe? Attends, toi t'es au top. Regardez ça, les arbres. Ça, c'est super. Thank you.
j'ai pas laissé la casquette pour une fois. C'est là qu'ils avaient déversé des déchets, dans le coin là. Si, si, parce qu'on avait traversé un biais. Tu te rappelles ? Je crois qu'on va même les voir. Allez, fin de la balade. On traverse le lac et on regagne le véhicule là. Qui s'envole. Et bien voilà, c'est sur ces dernières images que l'on va se séparer. On espère que comme nous, vous aurez su apprécier cette promenade sur le lac de Coiselet. Oui, il y a une poule d'eau qui vient de sortir. Alors on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Non, c'est une... comment on appelle ça? Je sais plus. Une vraie pupière? Ouais. Elle est belle. Allez, on va prendre les cormorants avant qu'ils partent. D'ailleurs, ça commence. Il y en a un paquet, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ils sont beaux. Et bien voilà, fin de la balade du jour.